a lot of it, doesn't he, the way he set it out. Here's Trezeguet. Mane. Well, they could be through here, Trezeguet! Line. Starts it and he finishes it. Sadio Mane takes a lot of credit there because he holds it up brilliantly. And the situation at the end of that first half, the little give and go. And all of a sudden they are in. Bonsoir, bienvenue sur DZ Vision. Aujourd'hui, on va faire juste une petite analyse concernant la rencontre entre le Sénégal et le Bénin. Mais avant de continuer, merci de vous abonner à ma chaîne et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. Oui, le Sénégal aussi s'est qualifié au demi-finale. C'était vraiment un très très bon match parce que il faut reconnaître que le Bénin s'est vraiment battu. C'est une équipe qui est parmi les meilleurs de cette CAN. Ils se sont battus jusqu'en quart de finale et la chance les a pas souri. Ils sont éliminés au quart de finale par le Sénégal. Il faut féliciter l'équipe sénégalaise aussi qui continue l'aventure, qui est parmi les meilleures équipes de l'Afrique. Mais aussi, n'oubliez pas cette équipe béninoise qui est parmi les meilleures de la CAN 2019. Parce que c'est vraiment une équipe qui s'est battue. Il faut féliciter aussi le joueur du Sénégal, Idrissa, qui a pu permettre au Sénégal de passer en demi-finale. Et maintenant, on saura demain quelle équipe le Sénégal rencontrera au demi-finale. C'est que sûr, le Sénégal partira loin parce que vraiment, ils ont une très 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 bonne équipe. Toutes les rencontres de cette compétition, le Sénégal s'est montré vraiment efficace. J'espère pour eux, ils iront très très loin jusqu'en finale. Parce que on ne sait pas si c'est l'Algérie ou la Tunisie, ils vont croiser en demi-finale. Mais vraiment, quand même, c'est une très très bonne équipe. C'est parmi les meilleures équipes d'Afrique. Qui est sûr, cette année, Sadio Mané, il sera parmi les candidats pour le Ballon d'Or africain. Et j'espère pour lui, il aura ce Ballon d'Or parce que il a fait une très bonne saison, il faut le reconnaître. Et espérons aussi qu'ils auront cette coupe de la CAN Égypte 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se reprend pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et mettez-moi un commentaire, vous aussi si vous avez regardé la rencontre, mettez-moi vos impressions en commentaire.